Je suis Pip Chodorov de Revoir, les éditions de cinéma expérimental, classique et contemporain, en DVD, en Blu-ray, en streaming. Grâce au fait d'avoir une boutique, on peut accueillir un peu d'autres choses que des DVD. Et du coup, un peu tout ce qui tourne autour du cinéma expérimental. Et notamment, on a un ami qui répare les caméras et qui les revend. Mais lui, il a, et même, par exemple, ce bouton, il l'a ajouté lui-même. Ça change le hasard parce qu'aujourd'hui, par rapport à quand la caméra a été faite en 70, il y a beaucoup plus de pellicules aujourd'hui avec différents hasards. Et on vend aussi la pellicule parce qu'il y a beaucoup de demandes, en fait, beaucoup de cinéastes qui cherchent le Super 8 et il n'y a pas de boutique à Paris. Finalement, plein de gens sont venus pour acheter le Super 8, donc de plus en plus, on se stocke en pellicule. Donc, pellicule, caméra, projecteur, boucleur pour la location. Et t-shirt et sac et poissons. on a édité pour la première fois Jonas Mikas. C'était dans la troisième année de Revoir 97, on a sorti Walden. Et c'était un coffret avec un livre qu'on a fait avec les éditions Paris Expérimental. Et on a continué après en 2000, on a sorti Lost, encore un coffret, un film de 3 heures avec un livre. Lonely night. There was a lot of walking. Et on a continué à sortir ces films. Il y a 3 ans, on a sorti He Stands in the Desert. Donc là, ça fait 12, 13 même. Donc l'idée, c'est de continuer, bien sûr. Il a fait 92 films. Et il a fait ça toute sa vie, en fait. En 16 mm et puis plus tard en vidéo. Et il a beaucoup, beaucoup filmé. Par exemple, Walden fait 3 heures et ça couvre 4 ans. Mais il m'avait dit que le montage consistait à diminuer les 20 heures de rush en 3 heures. Donc je crois qu'il a filmé une bobine tous les 3 jours. Quoi. Une bobine fait 3 minutes. Donc 1 minute par jour, tous les jours de sa vie, et c'est une longue vie. Donc il a beaucoup, beaucoup d'images. Il a beaucoup filmé ses amis. Et ses amis sont parfois des artistes, parfois des gens connus comme John Lennon ou Allen Ginsberg ou autre, Andy Warhol. Donc, ces films sont très intéressants sur le plan personnel, aussi sur le plan culturel, historique. Ses voyages, des moments de fêter la vie, de boire avec des amis, etc. Jonas Mikas était un grand ami, on est tous les deux cinéastes, éditeurs, distributeurs, etc. On a fait beaucoup de choses dans la même veine, lui à New York, moi à Paris, les deux en tant qu'étrangers. J'essaie de faire beaucoup, beaucoup de événements autour de lui à chaque fois. Et là, son dernier livre vient de sortir, qui est ses journaux écrits qui suivent son premier livre qui s'appelait I Had Nowhere to Go. Celui-là s'appelle I Seem to Live. Et c'est des années 50 jusqu'à 69. Donc c'est 800 pages, mais c'est pas lourd. C'est un léger livre. Une des prochaines sorties, c'est le film de. Les 3 films de Jonas Mikas, de son frère et de sa belle-sœur, sur le voyage qu'ils ont fait en Lituanie en 71. En 2003, nous avons sorti une cassette VHS avec 3 cassettes. Donc, il y a donc du coup Jonas Mikas, son frère Adolphus et la femme d'Adolphus, Paula Chappelle, pour le coffret sur la Lituanie et les frères Mikas. On a un texte inédit par exemple de Bruce Elder qui parle du film de Jonas, Réminiscence. C'est comme une théorie parce qu'en fait Jonas a toujours parlé de l'exil et de l'Ithaque et de le rentrer à la maison sans pouvoir y aller. Une fois allé, donc au bout de 27 ans, il a pu rentrer voir sa mère, etc. À la fin du film, il va visiter l'usine en Allemagne où il était prisonnier. Et puis, il va à Vienne pour voir Peter Kubelka. Bruce Elder écrit sur le fait que ce retour, non pas à Lituanie, mais vers l'art, vers les artistes,
Et vers Kubelka, il parle de Kubelka comme un saint, il parle de Ken Jacobs comme un héros. Et on voit qu'il a trouvé vraiment son chez lui avec ses artistes d'avant-garde et pas avec sa mère et la Lituanie.